Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Le président de l'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian, a transmis un dossier important à l'ONU. Vandalisme à Hadrut. Les Azeris ont retiré la croix de dôme de l'église de la Spitak Hadj. Les frontières tracées par le pacte national sont à l'agenda d'Erdogan. Les déportés d'Artsakh ont protesté et remis une lettre au ministre des Affaires étrangères. La fontaine construite à la mémoire de l'artiste arménien Archil Gorki a été détruite dans la province de Van en Arménie occidentale. Étant un peuple qui fabrique des bijoux, nous n'avons pas au moins un livre catalogue à présenter au monde. Hamlet Hovsepian. Je viens de recevoir de l'ONU l'accusé de réception du dossier de près de 800 pages que j'ai envoyé hier concernant la question étude sur les traités, accords et autres arrangements constructifs entre les peuples autochtones et les États, y compris les accords de paix et les initiatives de réconciliation et leur reconnaissance constitutionnelle, le combat pour l'application des droits de l'Arménie occidentale et de la nation arménienne autochtone continue quoi qu'il arrive. Un autre dossier est en cours de préparation. Armenak Abrahamian. L'Azerbaïdjan poursuit constamment la politique de destruction du patrimoine culturel et des traces arméniennes dans les territoires occupés de la République d'Artsakh. L'église Spitak Hadj du village de Vang, dans la région de Hadrut, s'ajoute aux exemples de génocide culturel commis par l'Azerbaïdjan depuis fin 2020 dans les territoires occupés de l'Artsakh. Il ressort clairement des séquences vidéo diffusées sur la section azerbaïdjanaise des réseaux sociaux que les Azeris ont retiré la croix du dôme de l'église. En outre, sous prétexte de reconstruire l'église, en plus de la croix, la partie azerbaïdjanaise a également démoli le toit de l'église. Début novembre 2021, l'Azerbaïdjan a présenté l'église comme un monument de la culture albanaise oudi, ce qui n'a rien à voir avec la réalité. Le 28 janvier 1920, après la reconnaissance de facto de l'Arménie occidentale du 19 janvier 1920, les députés du Parlement kémaliste ont adopté le pacte national lors d'une séance à huis clos qui a été présentée à la population le 17 février. Le document en six points est considéré comme une déclaration politique du mouvement nationaliste kémaliste qui définit les territoires et les frontières appartenant à la Turquie. Selon ce document, les frontières de la Turquie comprennent la Thrace occidentale, Chypre, les îles de la mer Égée, les anciennes provinces de Moussoul et d'Alep, etc. L'Adjari, la République arménienne du Caucase et le Nakhichevan sont également inclus en Turquie sur diverses cartes relatives aux frontières du pacte national. L'article complet est disponible sur notre site web. Les réfugiés d'Artsakh ont organisé une action de protestation devant le bâtiment du gouvernement au cours de laquelle ils ont posé un certain nombre de questions liées à leur statut lors d'une conversation avec des journalistes. C'est ainsi qu'un des manifestants a exprimé sa protestation. La République d'Arménie continue son indifférence criminelle, continue de ne pas reconnaître le statut de réfugié. Il s'avère qu'un Arménien dans son pays ne se sent pas arménien. Une fois, il y a eu une réunion au bureau de l'ONU sur le statut de réfugié. Les gens nous ont dit sèchement, « Si votre gouvernement ne reconnaît pas ce statut, comment pouvons-nous le reconnaître ?» Les réfugiés d'Artsakh ont marché vers le ministre des Affaires étrangères pour remettre une lettre au ministre Ararat Mirzoyan concernant l'octroi du statut de réfugié. Le monument Fontaine, construit près de sa maison à Artamet, à la mémoire du célèbre peintre arménien Archil Gorki Manouk Vostanik Adoyan, né à Van, en Arménie occidentale, a été détruit. La source a été restaurée en 2015. Elle est connue parmi les habitants sous le nom de Source Gorki. Un panneau écrit en arménien, kurde, anglaise et turc a été affiché dans la zone de la source. D'abord, les robinets ont été cassés, puis la partie sur laquelle était écrit le nom de Gorki a été endommagée. Finalement, le panneau avec la biographie d'Archil Gorki, écrite en quatre langues, a également été enlevé et détruit. Les organes de l'autonomie locale déclarent ne pas être au courant de la destruction de la source.
Le peintre de renommée mondiale Archil Gorki est né dans le district de Dilkaya de la province d'Artamet et a quitté l'Arménie occidentale lors du génocide des Arméniennes en 1915 pour s'installer plus tard aux États-Unis. Hamlet Hovsepian, un collectionneur d'autres œuvres uniques d'art appliqué arménien, a écrit sur sa page Facebook : Combien de vies ces bijoux ont-ils sauvés pendant le génocide des Arméniens ? Oui, je suis d'accord, si nos grands-pères réalisaient à l'avance et transformaient les mêmes bijoux en balles, nous vivrions sûrement aujourd'hui dans une autre Arménie et avec un nombre beaucoup plus grand de compatriotes. De nombreux Arméniens ont réussi à s'échapper en donnant leurs bijoux à leurs compatriotes kurdes. Les visites de musées dans différentes villes d'Arménie occidentale et l'histoire de mes ancêtres m'ont principalement inspiré à rechercher des bijoux et autres objets arméniens et les ramener à leurs racines. Les œuvres des orfèvres, tisseurs de tapis, brodeurs, potiers, miniaturistes et d'autres maîtres arméniens travaillant dans différentes régions de l'Arménie occidentale sont injustement attribués aux Turcs, aux Kurdes, aux Arabes, aux Perses, aux Russes, aux pays des Balkans et à d'autres peuples, mais jamais aux Arméniens. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.